Hello les potos, comment va? C'est Powerline et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo! Et une vidéo qui va parler de moi, cette fois! Parce que voyez-vous les potos, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous approchons des 100 abonnés. J'espère que nous y sommes arrivés. Et je me suis dit, mais Powerline, tu te lances sur YouTube, mais il faut avoir un esprit créatif. Et cet esprit créatif l'as-tu? Nous allons faire un petit test débile pour savoir si j'ai le sens créatif. Et je vous emmène avec moi, attention, c'est parti! Combien de fois changez-vous radicalement de coiffure par an? Je pense que j'ai pas besoin de répondre à la question. Aimez-vous chanter? Oui, beaucoup. Oui, mais juste pour moi. Non, je préfère siffler. Pas besoin de répondre non plus, hein? Oui, j'aime beaucoup chanter. Gardez-vous toutes sortes d'objets usuels pour les détourner? Oui, je fais des tableaux, des bijoux avec des bouchons ou des rubans et c'est beau. J'entasse plein de petites choses, je les colle et c'est moche. Non, je ne garde rien qui encombre. Aimez-vous un artiste en particulier? Oui, et je suis une fan. Un fan, oula. Non, j'en aime plusieurs. Non, je n'aime aucun artiste. Oui, il y a un artiste que j'adore en particulier. Et c'est... Si l'on vous dit période bleue, vous pensez... Question suivante, avez-vous une belle écriture? Oui, on me le dit. Oui, je crois. Non, sauf si je m'applique. Affreuse. Alors moi les potos, il faut savoir que j'ai une écriture affreuse, mais vraiment affreuse. Vous voyez, tiens, j'ai écrit ça, c'est un petit planning de mes vidéos. Affreux. En cuisine, la présentation des plats, est-ce important? Oui, je prends le temps de bien présenter mes plats. Non, l'important c'est le goût et pas le look. Non, manger c'est avant tout se nourrir. L'important... c'est le goût et pas le look. Un monochrome, c'est une porte ouverte sur le rêve. Un tableau de Klein, mais ce n'est pas ma sensibilité. Un foutage de gueule d'un pseudo-artiste. Rien. Je vais dire un foutage de gueule d'un pseudo-artiste. Les artistes monochromes, je vous passe le bonjour. Parce que je pense que vous allez me détester après cette vidéo. Vous vous habillez le matin en pensant à l'image que vous devez ou voulez donner aux autres. Au mariage des couleurs et des textures. Au confort avant tout. Eh bien, vous voyez les potos, moi je pense beaucoup à l'image que je veux donner aux autres. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime être bien habillé en toutes circonstances. Oui, et je considère le Marcel comme un habit. Donc, à l'image que vous devez ou voulez donner aux autres. Mais ce n'est pas l'image que je dois, c'est l'image que je veux donner aux autres. Et maintenant les potos, après toutes ces questions, le temps de savoir est arrivé. Qui suis-je réellement? Alors, de l'art ou du lard? Non, vous n'avez pas un sens créatif très développé. Mais avez-vous eu un jour le temps de vous poser devant un tableau et de vous laisser envahir par vos émotions? Il faut du temps pour apprendre à jouer d'un instrument et un bon professeur pour apprendre à l'aimer. Vous avez raté la marche de la création, mais rien ne vous empêche de découvrir ses plaisirs en admirant le sens créatif des autres. Je crois que ce test se fout de ma gueule. Mais alors littéralement... ce test se fout de ma gueule. Et voilà les potos, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que j'ai le sens créatif ou pas. N'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner sur YouTube et à tous mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Powerline342 qui vous dit à bientôt.